coup, bah oui, comme vous avez... Bonjour à toutes, on est mercredi 8 février. Comme vous avez vu dans le titre, je me suis encore fait avoir. Mais ça, c'est tout moi. Je vais arrêter ce genre de... J'avais vu une pub passer sur Internet. Alors, ça passait en boucle un peu surtout sur Insta, sur Facebook. Enfin, ça passait un peu partout. Un super produit pour nettoyer par terre, cleaner, tout ça. Ça devait briller. Ça devait. J'ai commandé ça début janvier. Et puis j'avais toujours reçu. Alors c'est bizarre parce que j'avais toujours reçu les produits. Et hier justement, ben, j'ai fait un litige chez PayPal et PayPal m'a remboursé tout de suite. Je leur ai expliqué que j'avais commandé ces deux produits-là et que je vais vous les montrer. J'avais commandé ces deux produits-là et que je n'avais toujours pas reçu. Et ça, c'était hier mardi 7 février. Bizarrement, ce matin, je reçois. C'est bizarre, mais c'est pas du tout ce que j'attendais. Mais alors, pas du tout. C'était des bouteilles d'un litre que j'attendais. J'en attendais deux. 75 centilitres ou un litre, je ne sais pas. Mais vous avez dû voir cette pub, la fille, elle lave son sol, le sol il brille, c'est beau, enfin tout ça. Moi je dis c'est super, je vais en prendre deux, comme ça j'en donnerai un à Corinne et moi je garderai l'autre. Ok? Donc je préviens PayPal hier que j'ai toujours reçu, que je voulais faire un litige. Donc ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit que j'avais toujours reçu ma commande, que j'avais vu cette pub sur internet, que ça passait en boucle, tout ça. Donc ils m'ont dit bon, ils m'ont répondu tout de suite dans la minute, on vous rembourse. Donc j'en avais pour 31,98 €. Je pensais avoir quand même quelque chose de bien. Alors tenez-vous bien. Je vous montre ou je ne vous montre pas. Je ne sais pas si je dois vous montrer. Voilà la bouteille que j'ai reçue. Enfin, j'en ai reçu deux. Alors celle-là, elle a un code dessus, là. Ils ont mis le code. Voilà, j'en avais pris une bouteille pour Corinne et une pour moi. Si j'ai un litre chacune, c'est bien pour laver par terre, c'est très bien. Alors, ça fait exactement le contenant, hein, je ne compte pas le bouchon, ça fait 8 cm. Ça va, PayPal m'a remboursé. Mais franchement, mais j'ai vu ce produit, j'ai dit mais il est super, je sais même pas s'il sent bon, j'en sais rien, je vais regarder. Ouais, je vais quand même essayer de faire un lavage par terre avec, hein. Mais franchement, ouais, ce matin je reçois un truc dans ma boîte aux lettres, je dis que c'est ce machin là, j'ai rien commandé, vous savez les petits paquets gris là, c'est bizarre, j'ai rien commandé, j'ouvre, mais c'est bizarre parce que j'ai fait la réclamation hier, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, j'ai fait la réclamation hier et je la reçois aujourd'hui. L'autre fois aussi, j'avais fait une réclamation pour quelque chose, je l'ai reçu le lendemain. Donc voilà, alors, est-ce que ça sent rien du tout, bah, forcément c'est bouché, ça ne peut pas sentir. Corinne, quand elle va voir la vidéo, elle va dire, je n'en avais même pas parlé, j'avais dit que j'allais faire une surprise. Ça sent pas, non, ça, c'est pas une odeur qui me plaît vraiment. En plus, alors c'est four cleaner. Alors, vous faites pas voir, hein, si vous voyez la pub. Là en ce moment, on la voit plus de trop. Donc il a dû y avoir des réclamations. Vous voyez la fille, enfin vous voyez le sol, il brille. Au début, il est terne et puis après, ben, il brille et tout. J'ai dit bon, ben, c'est pour mon carrelage, ça va être bien. J'aime bien quand c'est le carrelage, il brille. Et ben voilà, 8 cm de liquide. Il y en a combien? Je ne sais même pas. 10 centilitres, c'est ça? 100 millilitres. 10 centilitres. C'est vraiment... Et j'en avais pour les deux, 31,98 €. Donc, on ne peut pas le rembourser. Pas de souci. Voilà. Donc, bah, je vais vous faire mon petit blabla. Je vais continuer mon petit blabla. Là, j'ai mis un gilet parce que j'ai ma porte qui est ouverte. Parce que j'ai mis ma mangeoire... et puis petite maisonnette là pour les oiseaux. Je vais vous emmener, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai encore un truc à coller, je l'ai collé dans
dans un récipient en bois. Que sur ce récipient en bois, je vais, c'est un plateau en bois, c'est pas un récipient, un plateau en bois que j'avais fait il y a plusieurs années, je l'avais fait, puis je m'en servais plus. Ben, je vais le prendre comme il est plastifié à l'intérieur et j'ai collé ma petite maisonnette mangeoire là, mon nichoir mangeoire, je l'ai collé dedans. Là, je l'ai posé entre deux jardinières, je vais vous emmener. Mais là, il faut que je mette aussi du gros double face, vous savez, du gros double face à moquette, je vais mettre en dessous pour que s'il y a un petit coup de vent, que ça s'envole pas, parce que c'est quand même léger. Je leur ai mis des petites biscottes écrasées, parce que là, je n'ai pas été faire de course, j'allais faire de... Je sais, il ne faut pas leur donner de pain, ni de biscottes, ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai juste écrasé un petit pain complet. Je l'ai vraiment écrasé en poudre, vraiment de la poudre, que j'ai mis dans la mangeoire pour déjà commencer à les attirer. Puis quand j'allais faire des courses demain ou après-demain, je ne sais pas trop quand, oui, jeudi ou vendredi, parce que de toute façon, il faut que j'aille chercher des choses pour le loto, parce que je vais au loto samedi et dimanche. Et je vais acheter des boules de graisse que je mettrai dedans. Donc, je vous emmène, je vous montre ce que j'ai, comment j'ai installé ça, et comme ça, je vois ça de ma fenêtre. Voilà, on y va. Alors, comme je vous disais, j'ai mis je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait ce plateau et il est plastifié à l'intérieur. Donc, j'ai collé la petite maisonnette dedans. Et je vais coller cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Je vais coller cette partie-là sur le rebord de ma jardinière, aussi bien d'un côté que de l'autre. Comme ça, je serai sûre que ça ne s'envolera pas. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont bien là. Ils seront bien au soleil. Je pense que ça fait des reflets au soleil. Voilà. On a un super beau temps. Le ciel est tout bleu. Sais pas si vous allez voir avec le soleil, hein, parce que moi je suis ébloui par le soleil. Voilà. Alors ici, ils m'ont refait des petites fientes, hein, ceux qui sont au-dessus de ma fenêtre. Voilà, ils m'ont refait des petites fientes que je vais rebailler. Mais j'attends que le tapis sèche vraiment bien, parce que sinon ça fait des traces. Là j'en ai un peu moins, mais là au-dessus, je suis sûre qu'il y a un nid, mais je ne peux pas l'attraper, c'est ça. Je ne peux pas le retirer. Ça doit être au-dessus de ça. Je ne sais pas. On voit pas bien. C'est au-dessus du store. Voilà. Donc voilà. Voilà. Attendez, parce que je vois même pas le bouton pour l'arrêter. Bon ben voilà, j'ai été coller mes petits mon gros double face en dessous mon plateau là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, je m'installe pour faire une recette de champignons que j'avais toujours pas fait, et comme je les ai achetés quand même vendredi, je crois, oui, c'est vendredi que j'ai dû les acheter. Il faut que je les fasse. Donc ça sera pour une autre vidéo, ça sera une autre histoire. Voilà, donc je vais m'installer, je vais faire ma petite vidéo de champignons. Je sais pas si je vais réussir, et puis si c'est réussi, je vais vous la montrer. Si c'est pas réussi, ben, je vous la montrerai pas, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, donc là je profite, j'ai mon feu qui est allumé, j'ai ma fenêtre qui est ouverte, le soleil, vous avez vu ce soleil, ce ciel bleu, c'est super. On se croirait vraiment au printemps là, franchement. Bon, ce matin il y avait du gel, hein. Mon tapis vert, il était tout blanc, mais bon, ça a bien dégelé là avec le soleil. Donc voilà, et après, ben, cet après-midi, je vais me remettre à tricoter sur mon pantalon que j'ai du mal à finir, mais j'ai du mal à le finir, c'est pénible. Je vous ai tourné des vidéos déjà dessus, mais vous les verrez plus tard, parce que pour l'instant il n'est pas terminé, donc je ne peux pas vous le montrer. Et puis voilà, donc là je vais me mettre à faire ma recette de champignons, et puis ben, je vous dis merci. J'ai un chat dans la gorge.
Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo où je me suis fait avoir, que je vous ai montré. Vous ne faites pas avoir, vous, hein. Mais bon, c'est bon, j'ai été remboursée, donc il n'y a que demi-mal, hein. J'ai été remboursée. Vous allez me dire, mais oui, il ne faut pas commander sur Internet. Je sais, Coco me le dit aussi, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je suis très influençable. Coco vous l'a dit aussi. Et j'achète assez facilement des choses que je vois, que je me dis. Mais là, franchement, quand vous voyez la recette, quand vous voyez la vidéo, vous voyez cette grande bouteille, vous dites, bah, c'est bien. Vous savez ça, ça fait 800, ça fait 10 centilitres, franchement. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Là, ça me gêne moins parce que je suis remboursée. Là, quand je m'étais fait arnaquer pour des caisses, je sais pas si vous vous rappelez, un meuble, que ça devait être des caisses pour mettre des chaussures et tout ça. J'avais reçu un tout petit truc, d'ailleurs, vous verrez, je vous avais fait une vidéo là-dessus, une grosse arnaque ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et ben là, c'est pareil, c'est encore une arnaque et on se fait avoir. Voilà, mais bon, je le prends en riant, je sais pas, c'est pas grave, il y a des choses plus graves, il y a des choses plus graves, hein. Bon, c'est quand même une somme, hein, 31,98 €, mais bon, comme je me dis, je me suis fait rembourser, c'est sur mon compte PayPal, donc, à la prochaine arnaque, voilà. Non, mais je vais faire attention maintenant à toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que c'est quand même dégoûtant de voir ce qui est, comment ils peuvent nous avoir, voilà, mais enfin bon, allez, je vous fais un gros bisou, je vous embête pas plus, et puis moi je me mets à faire ma petite recette, enfin j'enregistre déjà, enfin je vais faire le montage, c'est pas un montage, mais il faut que je raccorde ce que je vous ai fait dans la pièce, dehors, après je reviens dans la pièce, il faut que je raccorde tout ça, que je vous fasse un petit bisou, que je vous marque la date, enfin tout ça. Donc je vais faire ça et après je m'occupe de mes champignons. Allez, bisous et merci d'avoir regardé.